à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça y est, elle sait qu'elle va me faire rigoler. Alors, aujourd'hui, on revient sur, j'allais dire le programme, n'importe quoi. On revient sur Sur la revue, la revue. les deux livres, 150 €. Voilà. Donc, j'ai imprimé le numéro 2, puisque je ne l'ai pas reçu dans ma boîte aux lettres. J'aurais dû le recevoir en même temps que le numéro 3 que j'ai là. Voilà, il nous a été Donc dérobé, voilà, comme j'ai d'hab. farfouillé un petit peu sur internet et je l'ai retrouvé. Voilà, donc on pourra vous en dire un mot là-dessus, sur les petites économies qu'on peut éventuellement faire J'ai dedans. stabiloté les choses les plus importantes et je vais vous en parler. Voilà, alors je vais la laisser dire. Vas-y, Donc, Titané. je vais passer déjà en revue le 150 € numéro 2. J'ai trouvé quelques petites choses quand même un petit peu intéressantes. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans celui-là, mais je vais vous dire déjà ce que j'ai pu trouver qui pourrait vous intéresser et être intéressant. Donc, il nous parle de se regrouper pour acheter moins cher. Donc, le principe des achats groupés permet de réaliser d'importantes économies. Donc, d'après eux, si on fait des achats groupés en famille ou entre amis, on pourrait faire certaines économies. Nous, on ne peut pas le faire parce que ma famille n'habite pas ici. Et puis, comme je suis pas vraiment en relation avec eux, on ne peut pas faire des achats Groupés. regroupés. Voilà, c'est ça. Alors, le site Entre Amis Bio propose des produits bio en grande quantité, 17 tablettes de chocolat, par exemple, 12 sachets de gâteaux apéritifs, etc., pour obtenir un tarif avantageux et à se partager entre amis, collègues, famille, etc., dans des nombreuses boulangeries de France, des collectifs d'acheteurs se regroupent désormais pour acheter leur pain 10% de réduction en moyenne sur toutes les commandes. Donc, d'après eux, si on achèterait sur ce site entre amis bio, on aurait la possibilité d'acheter à plusieurs et de faire certaines économies dans les boulangeries partout en France. Ça Donc eux, c'est permettrait déjà. de, par exemple, il y a une grosse quantité d'achats, D'achat, ouais, hein, voilà. et puis chacun choisit son chocolat, sa confiture, ses pâtes, son riz. Tout le monde fait son petit panier en achetant une grosse quantité. Voilà, vous achetez tous groupés quasiment la même chose ou différentes choses, mais en groupe en fait. Ensuite, il nous parle des codes promo, comment ça marche. Donc, depuis une dizaine d'années, les codes promo séduisent de plus en plus de consommateurs français. Plus de la moitié d'entre eux en seraient ravis pour des achats en ligne. On s'en serait servi, pardon, pour des achats en ligne. Bon, moi personnellement, je m'en suis déjà servi, j'ai déjà utilisé des codes Ouais. promo pour faire certains achats et je peux vous dire que vraiment, ça change la vie, hein, vraiment. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Hein. Bon, il n'y avait pas Internet déjà, mais voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le code promotionnel, en tout cas d'après eux, d'après leur article. Le code promotionnel permet de réduire immédiatement le montant total de votre panier ou de bénéficier d'une réduction sur un prochain achat ou encore d'une livraison gratuite. Donc si vous faites des achats en ligne, Des chachas, t'es fait des chachas, j'ai mal avec les chacha, ouais. donc si on fait des achats en ligne, donc sur Amazon, sur par exemple Zalando, qu'est-ce qu'on a? On a encore plein d'autres sites par exemple de vêtements et autres. On aurait la possibilité, voilà, de bénéficier de codes promo qu'on trouve sur Internet, de les utiliser et de réduire un peu notre facture avant de payer. Donc pour les obtenir, parce qu'il y en a qui vont peut-être me demander comment on les obtient, il faut ouvrir l'œil. Ils peuvent se trouver sur les réseaux sociaux, donc par exemple sur les influenceurs qui sont sur YouTube proposent des codes promo. Sur des achats sur Internet. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que la personne a acheté, à part si Voilà. ça vous plaît, hein. Voilà, mais vous avez au moins un code Voilà. promo pour faire vos propres achats. Ouais, c'est pas mal. Au bas des reçus précédents, les achats en ligne ou encore des newsletters marchandes. Donc quand vous, des fois, vous recevez un mail
Si vous êtes abonné aux newsletters, les newsletters, c'est les nouveautés, les news du moment. Des fois, ils vous proposent un code promo à utiliser sur un certain montant d'achat. Ou des fois, sans limite d'achat. Vous utilisez un code promo, il n'y a pas de limite d'achat. Dès le premier achat, vous cassez le prix avec le code promo qu'on vous propose. Alors, une fois la combinaison magique récupérée, il ne te reste plus qu'à reporter dans le petit cadre dédié sous le montant total de votre panier pour les enseignes en ligne. C'est une façon d'inciter leurs clients à effectuer plus d'achats ou d'en attirer de nouveaux pour un essai. Ça, c'est vrai que... C'est vrai que ça attire un peu. C'est vrai quand même. Que plus il y a des codes promo, plus les gens sont un petit peu incités à acheter et à faire des achats en ligne. Côté consommateur, c'est l'occasion d'une bonne affaire. Attention, pour en bénéficier, il faut parfois respecter un montant minimum d'achat. C'est vrai que dans certains codes promo, des fois, vous avez 10 ou 20 euros de moins, par exemple, mais il faut acheter des fois pour 100 ou 150 euros d'achat. Ça, c'est, des fois, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas besoin de grosses choses, beaucoup de choses, et on est obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là. Alors ça, c'est des fois, c'est un peu embêtant. Voilà, mais des fois, il n'y a pas besoin de ça. Des fois, c'est sans limite d'achat, il n'y a pas de problème. Ouais. Et surtout, ne pas oublier de vérifier les conditions d'application des codes. Donc des fois, il y a certains codes promo, il faut faire attention qu'ils ne sont pas valables pour tel et tel article. Il faut bien regarder... avant d'utiliser le code promo que vous avez trouvé sur Internet. Alors, les codes promo sont conçus pour les achats en ligne, mais une tendance est en train de s'installer. Dans certains magasins modernes, les codes promo de bienvenue et de fidélité commencent à se répandre. Ben ça a bien arrangé parce que des fois, on n'achète pas toujours sur Internet. Hein. Ça arrive d'aller en magasin. Et puis, ça pourrait être bien aussi de profiter au magasin directement avec votre carte de fidélité et puis d'avoir la promo qui passe. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant que des fois, si vous avez un petit bon d'achat par exemple Kiabi ou Primark ou autre, de l'utiliser pour pas le perdre. En fait. Pour pas le perdre, ça serait bien. Ça, c'est bien. Ensuite, il nous parle de l'habillement de seconde main, un atout pour le pouvoir d'achat. Alors, je vous en avais parlé sur une ancienne, il y a un an en arrière, chez Kiabi, vous pouviez avoir des sacs... des sacs seconde main. Seconde main, que vous pouvez remplir avec des vieux linges, enfin des linges que vous voulez plus, mais qui a encore les étiquettes et qui sont pas... Ni trop abîmés, ni trop déchirés, ni quoi que ce soit. Et vous pouvez en mettre 5 pièces dedans. Vous refermez et puis vous pouvez le retourner et vous payez rien pour l'envoi. Et au retour, ça met à peu près entre 10 à 15 jours, vous recevez des bons de réduction, on peut dire ça. Oui, des bons de réduction. Des bons de réduction pour acheter à l'enseigne où vous avez récupéré les sacs. Donc, si c'est par exemple, je vous donne un exemple, si c'est Kiabi, vous pouvez avoir entre 10 et 15 euros. Tout dépend le nombre de sacs que vous envoyez. Voilà, et puis vous pouvez l'utiliser pour des vêtements en seconde main aussi. Voilà, ça peut être, vous envoyez vos linges, mais vous pouvez récupérer des secondes mains. Vous pouvez mélanger aussi un peu de seconde main que vous récupérez au magasin. Et du neuf, donc ça dépend ce que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur une ancienne de mes vidéos là-dessus, hein, j'en ai parlé. Et puis, il y avait Carrefour aussi qui le faisait, mais ça me paraît le même contexte. Donc, je vais vous lire un petit peu l'article de quoi il parle, point de vue eux, pour économiser un peu au niveau du second main. Donc, les prix peuvent être plus ou moins chers selon le lieu, mais en tous les cas, les achats vestimentaires de seconde main permettent de réaliser des économies, mais pas uniquement. Le premier avantage est de ne pas avoir ce que tout le monde porte. Bah, c'est sûr, parce que dans le seconde main, vous avez souvent des pièces uniques et vous n'allez pas en trouver plusieurs. Ou bien, c'est des pièces qui étaient d'il y a 2-3 ans et qui sont là parce que la personne, elle n'en voulait plus. Voilà. Elle l'a mis pour la recyclerie. On peut dire, voilà, la recyclerie, voilà. Et puis, vous la trouvez. Et si vous l'avez loupée il y a quelques années, vous êtes bien content de la retrouver. Parce que ça peut arriver, par exemple. Il y a des pièces qui datent d'il y a plus de 10 ans ou 20 ans, mais qui sont en très bon état et que les friperies revendent. Ouais. Pas trop cher.
et que le vêtement il a très peu été porté et finalement la tendance revient dans ce vêtement et puis c'est un peu une pièce unique puisqu'on ne vous le retrouverait pas dans d'autres magasins. Voilà, puis il y a des pièces qui sont intemporelles. Mmh. Vous pouvez, par exemple, les jeans. Les jeans, c'est intemporel. Une veste en jean, c'est intemporel aussi. Voilà, il y a plein de petites choses, des petits blousons comme ça, courts en simili-cuir. À l'époque, il y avait beaucoup de cuir à l'époque par rapport à aujourd'hui. Il y avait du cuir et du daim. Dans les recycleries à Paris, vous pouvez retrouver des pièces comme ça. Bien sûr, c'est un peu plus cher quand c'est du cuir ou du daim. Voilà, ou une très grande marque. Voilà, ou une très grande marque. Mais il faut fouiller, quoi. Il faut voir. Il faut voir si vous êtes adepte un petit peu à ce truc-là. Et l'autre avantage, c'est au niveau éthique. Donc, éthique, ça veut dire que vous évitez le gaspillage au niveau vestimentaire. Donc, ça évite que ça soit détruit, brûlé ou autre. Et que ça pollue, si vous voulez, par là, à la planète. Parce qu'il y a des gens, ils jettent dans la rue, et beaucoup, hein, près de chez nous. Hein. Parce qu'il y a des conteneurs, ça fait comme une poubelle, là. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle, un conteneur où on peut mettre dans un sac et on met dedans. Mais des fois, c'est sorti du conteneur et c'est par terre. Voilà. Donc, c'est bien dommage que des gens, des fois, détériorent. Voilà. Et puis, ça a un point de vue économique aussi, d'après eux, en tout cas. Mais c'est vrai que le seconde main, c'est économique. Donc, ils nous disent le second main qui répond favorablement à des motifs écologiques, réutiliser plutôt que reproduire en trop grand nombre, donc pour éviter que les vêtements soient après détruits et que ça pollue en fait. Éthique, mettre en avant la pérennité des produits. Et bien entendu, économique, acheter moins cher, notamment en période de pénurie et d'inflation comme on a actuellement. Ce phénomène touche par ailleurs des domaines très diversifiés en plus de l'habillement, ameublement, téléphonie, électroménager et peut se révéler une aide précieuse pour votre pouvoir d'achat. C'est vrai que les électroménagers, vaut mieux les acheter reconditionnés ou bien d'occasion. Vous faites pas mal d'économies et puis des fois c'est plus rentable que quelque chose de neuf. Hein. Ouais, puis il y a une publicité, ça a passé très vite à la télé, sur les électroménagers et puis les choses high-tech. Moi qui recherche un téléphone qui a flambé, ça serait bien que je trouve ce magasin pour pouvoir acheter une seconde main. Et puis tu sais très bien que moi, ça ne me dure pas longtemps, mais bon, ça me dépannerait. Bah ouais. Alors ensuite, ils nous disent 4 astuces pour acheter moins cher ces produits. Donc, utilisez des coupons et des offres. On les trouve directement dans les magasins ou sur les produits qui affichent une étiquette de remise, mais aussi à imprimer sur Internet ou encore grâce à des applications dédiées à ces bons plans. Et bien sûr, dans les catalogues promotionnels présents avec ce magazine. Donc oui, comme je vous avais expliqué la dernière fois, vous pouvez recevoir ce magazine en même temps que les catalogues promotionnels des grandes surfaces autour de chez vous. Donc, les codes promo, les coupons, vous les trouvez sur Internet, vous pouvez les imprimer. Et puis, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez retrouver ça. J'essaierai de vous la mettre quelque part dans le petit i en haut. C'est sur les bons de réduction à imprimer ou même sur les applications comme iGraal, vous avez des fois des bons de réduction, vous pouvez les utiliser et puis ça vous casse un peu le prix. D'un truc alimentaire, par exemple. Voilà, en ce moment, les gens, ils vont au prix le plus bas, le temps que la situation s'arrange. Ils achètent... avant, les gens, ils achetaient, par exemple, je vous donne par Leclerc, les gens, ils achètent Marc Repère, mais avant, ils achetaient pas autant de la marque Eco, qui est la marque la moins chère qui est vendue chez Leclerc. Et les gens se sont rabattus beaucoup sur Eco, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins un peu dans les rayons. Ça se recharge pas assez vite par rapport à la quantité qui s'en va par rapport aux grandes marques. Par contre, pour les bons de réduction, c'est souvent sur les grandes marques. C'est souvent sur les grandes marques. Voilà, mais c'est des fois, vous devez en prendre un ou deux, ça dépend ce que c'est. Ça peut être du café, plein de choses, de la farine. Voilà, il faut voir quoi. Il faut faire vos calculs. Voilà, et suivant aussi vos goûts. Hein. Voilà, vos goûts, vos besoins et vos calculs. Ensuite, ils nous disent, intéressez-vous au prix au kilo. Donc voilà, regardez toujours le prix au kilo que plutôt au gramme
pour voir si vous faites plus d'économies en achetant au kilo ou directement au grammage des articles. Pour les produits frais ou sous vide, soyez attentif au prix au kilo. Il est fréquent de constater des différences qui peuvent aller jusqu'à 40%. Il faut jeter un œil. Il Voilà, faut faut avoir toujours du temps. Alors regarder là, vous mettez plus de temps dans le rayon, dans dans le le magasin rayon, avant voilà. de À faire moins vos que vous courses. faites un Un drive et drive. vous avez le temps de regarder sur Internet pour comparer. Voilà, mais essayez de voir des fois au prix au kilo pour payer finalement moins cher. Ouais, il faut voir. Voilà. Ensuite, ils nous disent de privilégier les marques distributeurs. Elles sont moins coûteuses, 30% en moyenne, Oui, c'est de vrai. moins que la grande marque. Tout Oui. dépend, parce que des fois, il faut regarder bien dans les rayons. Ouais, faut comparer. C'est Faut, toute faut... une histoire de comparaison, hein. Et ensuite, ils nous disent, achetez en gros, si vous achetez un produit régulièrement, pensez à regarder du côté des offres en gros qui peuvent être très intéressantes, surtout pour les pâtes, le riz, la farine, etc. Par exemple, comme on vous disait, vous en achetez un et puis vous avez l'autre à moins 50, par exemple, ça peut être un avantage. Voilà. Si vous avez de quoi stocker à la maison, ça peut être un avantage, surtout dans les grandes familles. Ensuite, on va passer aux 150 euros numéro 3. Donc, dans le numéro 3, j'ai pas trouvé grand chose à vous dire, juste sur un article qui concerne. Pour pouvoir partir en vacances Marcus, il est en train de à se moindre coût et pour payer, faire le essayer de payer un peu moins cher et optimiser un peu le départ en vacances. Donc, comment concilier vacances et pouvoir d'achat? Alors, budgétiser les dépenses. Prévoir un budget est une astuce intéressante pour adapter vos futures vacances et vos besoins. Le budget doit être réaliste et en lien avec votre pouvoir d'achat pour éviter de revenir les poches vides. C'est ça. Et maîtriser l'enveloppe budgétaire de vos vacances vous motive à épargner. Donc, Donc déjà, voilà, budgétisez vos vacances et faites-vous un budget avant de partir. Par exemple, vous partez 15 jours ou 3 semaines, vous dites voilà, j'ai tant d'argent, c'est mon budget pour les vacances, je vais essayer de ne pas le dépasser. voilà, Voilà, on essaye toujours, mais on vous arrive de le mettez, dépasser, hein. voilà, vous mettez de l'argent dans une enveloppe, vous partez avec ça, vous dites voilà, je ne dépenserai pas plus que telle somme d'argent pour mes vacances. Voilà. C'est-à-dire, on se limite un peu. Voilà, vous vous Voilà, limitez on un se petit limitait peu. un peu, voilà. Voilà, se limiter un peu sans trop se priver non plus. Anticiper ses vacances. Alors, la préparation est une solution intéressante pour conserver une marge de manœuvre vis-à-vis du pouvoir d'achat. Que ce soit seul ou en famille, se détendre et profiter d'une pause demande un peu de réflexion. Ouais. Destination, location de voiture, activité, restaurant, l'ensemble de votre séjour peut être prévu des mois à l'avance. Dans cette façon, vous pouvez prévoir un budget et prendre le temps d'économiser au fil des mois. Bah, c'est ce que moi j'ai fait et puis pour pouvoir de partir en vacances au moins une fois dans l'année. Voilà, essayez d'anticiper, c'est-à-dire de réserver un lieu ou un endroit des mois à l'avance pour pouvoir payer au final moins cher, pouvoir préparer vos dépenses et les activités que vous allez pouvoir faire sur place, etc. Parce qu'il y a toujours dans les lieux de vacances, il y a toujours des activités qui sont gratuites. Il faut aller déjà dans la gratuité et puis après voir qu'est-ce qu'on peut faire De payant, de mais que payant, ce soit que ça que rentre ça dans votre soit budget, ce soit pas raisonnable. trop cher. Voilà. Ensuite, ils nous disent de comparer et réserver. Concilier vacances et pouvoir d'achat réside dans votre capacité à prévoir et à organiser. Pour cela, il faut se munir de patience et prendre le temps de se renseigner et de comparer pour réserver le séjour idéal et surtout le moins coûteux. Ouais. Rendez-vous sur les sites comparatifs. Vous pouvez trouver des sites comparatifs sur Internet pour comparer un lieu de vacances, pour essayer de trouver une location pas chère, un restaurant pas trop cher. Toujours essayer Voilà. d'avoir quelque Un chose, camping, parce que un des fois camping, les quelque chose comme campings sont ça. assez chers. Il y a des campings qui sont Oui, assez des coûteux, fois, oui, hein. des fois qui sont assez coûteux. Donc, essayez d'aller sur des sites comparatifs pour comparer et pour essayer de prendre l'offre la plus intéressante. Et d'analyser les offres, voilà, comme je vous disais, afin d'économiser le maximum possible, en fait. Ensuite, adapter son séjour et ses activités. Il suffit de faire quelques concessions et d'envisager ses vacances autrement. Donc, faire quelques concessions ne veut pas dire se priver de tout non plus, hein. Ah ouais, Je vous le c'est dis quand même, ouais, hein. voilà, quand même, Donc, hein. par exemple, il donne un exemple.
Côté nourriture, vous pouvez par exemple favoriser le pique-nique au restaurant. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez pique-niquer dans un parc, dans un jardin, sur la plage, etc. plutôt que d'aller au restaurant ou dans un snack pour justement acheter et dépenser. Surtout voilà. Si vous êtes nombreux, ça commence à faire lourd sur le porte-monnaie. Hein. Ouais. Alors pour ce qui est du logement, il suffit de se tourner vers un gîte ou une location ouais. d'appartement plutôt qu'un hôtel de luxe, par voilà. exemple. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Mais il faut quand même le minimum. Hein, si voilà, on prend un d'avoir appartement, quand même le plus de confort possible sans que ça soit trop élevé au niveau du prix. Voilà, puis il y en a avec des logements dans les quand vous réservez ou vous trouvez ça sur les syndicats d'initiative, il y a avec des étoiles des fois. Office voilà. de tourisme, syndicat d'initiative, c'était ce qu'on disait le mois avant, mais c'est office de tourisme aujourd'hui comme on dit. Et ben là, vous avez une, c'est classé une, deux, trois étoiles. Voilà, là, c'est les clés, comment oui, on appelle les ça clés vacances, les par clés exemple. Vacances, voilà. Puis il y a des endroits où vous, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez avoir des lieux par la CAF où vous pouvez partir en vacances avec les bons vacances. Voilà, pour ceux qui sont des enfants voilà, en bas âge. Mais il faut être faut anticiper en avance et c'est les centres de vacances comme ça, ils sont faits pour les familles pour avoir les bons vacances parce qu'à mon époque, on recevait par la CAF des bons vacances et puis on les utilisait quand on partait en vacances que ça soit en location ou en camping, on les donnait, ils faisaient la déduction et puis vous étiez remboursé par la suite, etc. Ça marchait comme ça à l'époque. Ensuite, ils proposent, ça peut être une solution, mais c'est plus une solution pour ceux qui sont plutôt à la retraite ou ceux qui n'ont pas d'enfants, en fait. Si vous pouvez partir hors saison, donc hors saison, c'est-à-dire hors juillet-août. Voilà, hors juillet-août. Il y aura moins de monde, déjà. Oui. Et puis, les prix, en général, ils sont plus intéressants. Voilà. Voilà. Mais bon, nous, on a encore Nicolas qui est étudiant. Et qui peut pas partir hors de la période comme ça. Sinon, faut partir en période de vacances scolaires, pendant les vacances scolaires. Et puis, ben, il faut encore trouver. Et puis après, ben, après, quand il a ses congés, après, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué il ouais. faut qu'il se détende aussi après une année assez rapide, hein, avec Internet et tout ça. Et il a besoin de se détendre un peu. Donc, nous, on valorise juillet, soit août, ou à cheval, parce que ça nous est arrivé de partir à cheval. Juillet, voilà. Et de partir des fois à l'époque, hein, avant qu'il y avait des problèmes comme ça, des pouvoirs d'achat, des trucs comme ça. On partait au moins une fois, une petite semaine à Pâques ou à Noël, mais là, ça n'a pas été le cas. Bon, ils n'ont pas parlé aussi des départs à la dernière minute. Ça peut être aussi une solution pour vous. Si vous n'avez pas réservé quelque chose, peut-être à la dernière minute, vous trouverez quelque chose d'intéressant. Voilà, oui, ça nous est arrivé aussi de prendre quelque chose à la dernière minute. Voilà. Mais eux, ils n'en ont pas parlé. Voilà. Mais, bon, mais quand vous êtes à la dernière minute et que vous êtes nombreux, il faut vraiment trouver quelque chose. Hein, parce que là, c'est en général, c'est des... Voilà, si vous êtes que deux ou trois, ça va. Ça va. Mais quand vous êtes cinq, six, voire plus, voilà. C'est bien compliqué. Je pense que tu as tout dit, Tiffany. Oui, j'ai tout dit. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a appris un petit peu quelque chose. Et si vous avez déjà fait certaines expériences, que ce soit pour essayer d'optimiser vos vacances ou que vous avez déjà utilisé des codes sur les codes promo, sur ouais. quelque chose, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Voilà. Pour que tout le monde puisse un petit peu lire vos expériences à vous. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager entre amis et en famille. Et une très bonne journée. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, surtout. Hein, parce que comme en ce moment, il fait pas chaud, et ben gardez quand même une petite laine. Hein, même si on est au mois de mai, normalement, on met ce qu'on met. On met ce qu'on veut. Mais là, on se met pas trop ce qu'on veut. Hein, on remballe. Donc, voilà. En tout cas, gros bisous à vous tous. Bisous.